Salut à toutes et tous, c'est Fox, bienvenue pour cette vidéo, le café de Fox. J'ai plusieurs choses à vous dire, une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. Alors on va commencer par la nouvelle plus délicate. J'ai un problème avec Facebook, je n'ai pas perdu mes identifiants, mais je me suis embrouillé dans mon adresse d'origine, celle qui m'avait servi à créer mon compte Fox Arnold, si bien que je n'y accède plus et que c'est compliqué, il faut que je montre ma carte d'identité, enfin via la caméra pour envoyer ça à Facebook, dans l'espoir qu'il me redonne l'accès à cette adresse et donc à ce compte Fox Arnold. Bon, d'ici là, j'espère y revenir, mais d'ici là, ne vous étonnez pas de ne pas me voir actif sur ma page Facebook et mon compte, parce que les deux sont liés, donc ça fait beaucoup de restrictions quand même. Bref, ça c'est la nouvelle un peu délicate. J'espère que d'ici demain ou les jours à venir, j'arriverai à trouver une astuce. Déjà, j'ai envoyé les documents, donc ça devrait, j'espère, fonctionner avec une nouvelle adresse créée. N'oubliez pas donc de vérifier vos adresses, parce que si on abandonne un mail, eh bien après, on a toutes les galères, toutes les peines du monde pour se reconnecter. Surtout quand on switch entre deux ordinateurs, par exemple, ou deux téléphones, ou deux, bref, deux applications. Maintenant, la bonne nouvelle, j'ai enfin la fibre. Et oui, j'ai la fibre. Alors, j'ai une PS4 non pro. Ça ne fera pas du 1080p, mais un joli 720p, 60fps. Normalement, je devrais ne plus rencontrer ce fameux écran noir. J'aurais pu avoir de problèmes de coupure non plus. Je croise les doigts. J'ai fait un mini-test hier, pendant 2 minutes, j'ai vu que c'était tout joli. Bon, là, je suis sur Monster Boy, donc ça, c'est vrai que Monster Boy, c'est un jeu en 2D. C'est surtout sur les jeux 3D qu'il n'y aura plus de pixelisation outrancière de mon avancée dans le jeu, parce que c'était catastrophique, on ne voyait rien du tout par moment. Une bouillie de pixels. Là, j'espère vraiment que ça sera beaucoup plus joli et sans interruption. Fortuite, vraiment j'espère de tout cœur, mais là normalement avec la fibre c'est nickel, génial. Voilà pour les nouvelles, je vous montre un petit jeu, hop, le Little Nightmares 2, donc ça ce sera prochainement justement streamé. J'en ai d'autres avant, il faut que je termine Monster Boy et puis ensuite j'ai les jeux de Gorgule, Made of Scare et Remastered 2. Il y a quoi d'autre? J'en ai même encore d'autres, hein, mais j'attendrai, j'essaierai quand même de le faire relativement vite celui-ci, parce qu'il colle à l'actualité. C'est quand même important pour une chaîne, je pense, d'être dans l'actu, tout simplement. C'est bien de faire des jeux qui datent un peu, ou du rétro, mais je trouve que c'est important aussi d'être dans l'actualité, dans le moment présent. C'est raccord, c'est logique, hein, quand on a, je trouve, la passion du jeu vidéo. Voilà, voilà pour les nouvelles, donc ce sera une toute petite vidéo, ça me permettra aussi de voir si c'est plus rapide. Justement, je pense que oui, hein, normalement, vu avec le débit que j'ai maintenant, avec ce que ça envoie en upload, en bande ascendante et descendante, uploading, machin, ça devrait être beaucoup plus rapide pour moi de concocter une vidéo et de la mettre en ligne sur YouTube, tout simplement. Bon, bien sûr, le montage, ça restera toujours, toujours du travail, sauf quand on balance la vidéo telle qu'elle, sans plus de travail, ce que je vais faire, je pense, pour celle-ci. Je vous dis à bientôt, peut-être à ce soir, pour Monster Boy. D'ici là, portez-vous bien, sortez un peu, parce qu'il y a du soleil, bien sûr, en faisant attention, bien entendu. Allez, ciao, c'était Fox, merci, à plus!